Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous savez que la morning routine pour moi c'est quelque chose de très très important. Donc aujourd'hui j'avais juste envie de vous emmener avec moi dans cette morning routine de l'automne. Donc c'est parti. Bon, vous me connaissez, je me lève toujours très tôt et j'adore ça. Ça me permet d'avoir une longue journée devant moi et de pouvoir faire tout ce que je veux sans me presser. La première chose que je fais le matin c'est de prendre mon téléphone évidemment pour checker mes mails, les réseaux sociaux, les messages. Ensuite je me lève, j'ouvre mes volets et oui, à 7h il fait encore jour et ça c'est très très cool. Ça met trop de bonne humeur. Ensuite je me change et je me prépare pour faire du sport dès mon réveil. Une fois prête et ma tenue de sport enfilée, je vais dans ma cuisine, mon salon, j'ouvre les volets pour avoir un max de luminosité. Je déteste vivre dans le noir, c'est pour ça que j'ai besoin d'avoir des appartements ou des maisons très très lumineux. Sinon j'ai juste envie de rien faire, je suis une larve et j'ai zéro motivation. Il est 7h15, je peux enfin commencer mon sport. J'essaye d'en faire 15 minutes tous les matins en semaine et 30 minutes quand je suis en week-end parce que j'ai beaucoup plus de temps. J'alterne entre du yoga, du pilates et du renforcement musculaire, ça dépend vraiment de ce que j'ai envie de faire. C'est un bon moyen de se réveiller, de réveiller son corps et surtout de rester en forme. Une fois mon sport terminé, je prends une longue douche chaude, je me lave les cheveux, je m'habille et je me prépare. Pour ma routine make-up, c'est très très simple et rapide. Je mets seulement du correcteur, de la poudre, du fard à paupières, du mascara et du blush pour avoir bonne mine. Je déteste prendre trop de temps le matin pour me maquiller parce que j'estime ne pas avoir besoin de mettre des tonnes de maquillage. Surtout le week-end quand j'ai pas grand chose de prévu. Donc je fais très simple, je prends 5 minutes pour me maquiller et je mets seulement les indispensables. We can just run away, so come my darling, let me help you. We can follow the sun and leave the rain for somebody else. Let's help ourselves, leave our troubles upon the shelf. Don't you worry. Ma partie préférée, l'heure du petit déjeuner. Je sais que beaucoup de gens ne mangent pas le matin, mais pour moi c'est juste impossible, donc je me trouve très bizarre. Et puis j'adore me préparer un bon petit déjeuner. Ce matin, je me prépare du skyr avec un peu de sucre et du muesli, donc un grand classique. Et pour les filles qui m'ont demandé, j'utilise le muesli au miel et aux noix de la marque Quaker. J'ai comparé beaucoup de muesli, franchement c'est le plus sain et le plus gourmand à la fois. Avant, je buvais beaucoup de café le matin, mais j'ai remarqué que j'étais beaucoup trop tendue et stressée, donc j'ai arrêté. Maintenant, je prends du thé vert ou du thé matcha et franchement, je me sens beaucoup mieux. Évidemment, je prends mon petit déjeuner en regardant la télé et vous savez qu'à 7h30 du matin, c'est l'heure des dessins animés. Donc je vous laisse imaginer ce que je regarde. Alors là, c'est pas incroyable, mais tous les matins, je prends un peu de temps pour ranger, pour faire mon lit, du ménage, du repassage, un peu tous les trucs qu'on n'aime pas faire, mais que malheureusement, on est bien obligé de faire. En le faisant tous les matins, ça me permet de pas me retrouver avec tout à faire en même temps, donc d'avoir plus de temps pour faire autre chose. Et enfin, dernière chose de ma morning routine, une fois que j'ai terminé tout ce que j'avais à faire, en semaine je pars en cours évidemment, le week-end je travaille pendant 2 ou 3 heures pour avoir mon après-midi de libre et pour pouvoir faire ce que je veux. Personnellement, je suis beaucoup plus productive le matin parce que mon cerveau est encore tout frais et je suis pas du tout fatiguée, donc je suis très efficace, alors que l'après-midi j'ai juste envie de faire autre chose ou de sortir. Et voilà, c'est terminé. J'espère que cette petite morning routine vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.